Elle leur a permis en 16 ans d'existence de sensibiliser directement plus de 3 millions d'habitants. 1,5 million de populations ont été dépistées, plus de 650 personnes atteintes du VIH-Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles traitées, puis 80 millions de préservatifs distribués. Des statistiques qui montrent aussi bien les actions menées par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, l'heure est au bilan à travers cette rencontre de haut niveau. Pour avoir eu l'immense privilège de gérer en tant que ministre de la République successivement les départements de la santé puis des infrastructures et des transports, je puis vous assurer que nos pays ont bien fait de penser et créer local. Le corridor Abidjan-Lagos, c'est 5 pays de la sous-région ouest-africaine. Le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, puis le Bénin. Le corridor, c'est aussi 1100 km de routes, de déplacement des personnes et des biens. 5 pays qui se sont mis ensemble pour affronter certaines épidémies et faciliter le commerce et le transport sur le corridor. La mobilité et le passage transfrontalier restent et demeurent un facteur de risque non négligeable pour les épidémies. Aucune initiative ne sera de trop. Aussi, voudrais-je appeler notre précieuse attention sur l'examen des propositions pertinentes de réforme que nous soumet local pour la pérennité de ses acquis. Après 16 ans de vie, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos veut se donner d'autres missions, élargir son champ d'action, contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, contribuer à l'amélioration de l'environnement. La promotion de la santé transfrontalière. Deuxièmement, la facilitation du commerce et des transports. Troisièmement, la protection de l'environnement, l'hygiène et la salubrité le long du corridor. Quatrièmement, la lutte contre la circulation des faux médicaments le long du corridor. Et cinquièmement, l'observation et la documentation des tracasseries subies par les usagers et aux entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Cette assise de haut niveau fera aussi des propositions pertinentes de réforme pour bâtir un organisme plus fort au service des populations, de l'espace